Allez, on est parti. On reprend là où on l'avait laissé sur la première partie de Record. Il te manque? Jesse? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jesse est génial. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais, parce que il y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Tu peux attacher Bayat ici. Bon, j'en profite, désolé pour ceux qui ont regardé la première vidéo. Comme je l'avais dit, j'ai eu des grosses merdes avec mon Elgato, donc j'espère que ça va aller mieux voir un truc hallucinant. Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Sur cette deuxième non, séance. Hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. C'est par là. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Cette patrouille avec qui avant? Jesse? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Le registre. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. Voilà, donc ça commence à récupérer des pièces pour pouvoir crafter et améliorer l'équipement. C'est pareil que dans le premier.
Aucun signe d'infecté. Ou de personne d'autre, d'ailleurs. Je vois une tempête à quelques kilomètres. Ok, rien d'exceptionnel. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Ah, je vois le chalet de ski. Qui est sur l'itinéraire de Tommy et Joël. Ouais, c'est celui-là. C'est un supermarché ? Ouais, on va y passer, en allant dans la ville. Viens, on retourne aux chevaux. Toujours fouillé. Toujours. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier ? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. T'es quand même canon. Merci. Bien. Bien vu. Salut, Japon. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir ? Oh, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? Non ! Peut-être. Gueule. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Putain, je peux y aller quand même, non ? Ouais, je vais dire. Tu sais, sur cet endroit. Allez. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans ? Tu le ferais pas, toi ? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Voilà, il y a les compétences ici. Ah, c'est beau de rêver. Jessie parlait beaucoup du Canada. Ok. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais ? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. À chacun ses rêves.
Tu fais quoi ce soir? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Oh non. C'est plutôt pas mal, en fait. Et toi, alors? Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après? Ok. Peut-être que je te jouerai quelque chose. Ok. Pauvre gamin. Ouais. Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Alors, ça on l'a vu. Vraiment tout. On va aller ici. Il a quel âge dans le premier film? 10 ans. Attends. Il y a eu combien de films alors? 4, je crois. Wow, tel. Oh, je l'ai pas celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes? Ah, ouais. Tu crois que quelque part, il y a encore des gens qui font des films? Sûrement. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ils sont tous comme nous. Ils survivent jour après jour. Bah, je continue d'écrire de la musique, donc... Allez, on a fait le tour. Attends, quoi? Il y a des chansons originales d'Eli? Pourquoi je les ai jamais entendues? J'en sais rien. Ah, je peux peut-être pas aller ici. Non. On va poursuivre. À moins que là je puisse y aller. Allons voir. Non, on va reprendre les bidets. Allez. Ah oh, putain, ils sont loin. Oh. Pas joli. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas 15.
qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. À l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Et surtout, comment on fait pour entrer? Je vois plein de traces différentes. T'en penses quoi? Dina, par ici. Pas forcément une bonne idée, mais bon. Voilà, c'est mieux. Il est mort. Sans blague. Et dehors. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Pour une fois, je me plante pas. C'est bon. Ouais. Joli lancé, au fait. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël, il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Là-bas, je pense. On peut monter. Corps du sang. Dina, vas-y. Oula. Oula. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais choper celui-là. Il y en a combien ici? Alors au moins là c'est sûr. Entre là-bas il bouge pas trop. Est-ce que je peux y aller? Putain, il y en a deux là. Chier. L'avoir. Allez, on va y aller tout de suite. Ça sera fait. Oh,
plus. Bon, j'ai un peu couru. Je suis un peu barré. Il y en a pas d'autres ? Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Hop, on va aller par là. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Merci. Là, tu vois ? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Oui. On va en descendre. Ça me paraît une bonne idée. Ici. Là-dessous. Putain, il m'a fait peur ce coup. Ouais. Juste un peu secoué. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Allez, ça va être là-bas en se faufilant. Alors, t'as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé quelques trucs. Cool. Et puis... Le mec essaye tout et n'importe quoi. Il y aura un truc que j'ai pas vu.
Pas tant que ça. Putain, qu'est-ce que j'ai loupé? Maintenant, faut sauter. Oui, tout simplement. Par là. Trop fort, le mec. J'y suis. Graphiquement, en 7 ans de temps, il n'y a pas non plus une claque phénoménale, hey, on va être clair. J'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Alors, confectionner. Hop, on reste appuyé. Et voilà. Ah ouais, si je peux en avoir besoin, effectivement. Hop. R2. Voilà. Il y a des spores. Ça va mieux. Oh putain. Okay. Ça, je les aime pas, eux. Ça, je ne les aime pas. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Oh, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché? Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. C'est con ça, je suis déjà plein. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Extend, je te laisse la meilleure. Can dans le coffre, le code. Il ne pas c'est pour ton dos. C'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Loupé un truc là. On va regarder. On va aller voir un truc. Hop. Juillet 2013. Facile, facile.
Allez, on prend tout. Allez, amélioration. Hop, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mode d'écoute. Là, je peux rien augmenter là non plus, non plus. Pour l'instant, c'est pas énorme. Là, je peux pas non plus. Donc, s'il y a que le mode d'écoute que je peux apprendre, on va attendre. Je pense pas que ce soit indispensable. Allez, on continue. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Là on attaque donc la deuxième heure de jeu. Si vous y avez joué ou si simplement vous voyez le gameplay. Qui j'espère cette fois-ci ne sera pas assuré. Toujours des merdes techniques, je te jure c'est chiant. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bref. Je dis donc ouais, me dire ce que vous en pensez. Alors au niveau du scénar, tout ça, la réalisation. Niveau un peu de tout ça par rapport au précédent. Attention, hein. Pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis pas déçu. Oh putain. Ouf. Allez. Forcément ailleurs qu'elle est. Ouais, forcément. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Bouge. Allez. Ah, je les aime pas celle-là, les v'là. En v'là d'autres. Putain, claqueur. C'est parti. Ah, je les aime pas. Ah, il faut les prendre deux derrière. Parce qu'en fait, ils ne nous voient pas. Mais voilà quoi. C'est stressant. Putain, on voit rien. Putain, la discrétion. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait du bruit. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Ouais, faut que je récupère des balles là. Voilà, magnifique. Ellie, j'ai trouvé la porte. Tu m'aides? Deux secondes, chercher rien qui pourrait nous aider. Non. Par le bas. J'aime les cadeaux. Ellie. Ouais, bah, donne-la. Hop. Tiens, merci. Cocktail Motof, ouais, le 2, ouais. Ouais. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini.
Allez, faut aller là-bas en haut. Hop. Voilà, là il y a du monde là. Il y en a un paquet ici. Donc lui je peux me le faire. On va essayer d'y aller doucement. Putain, il y a du monde. Hein. Vas-y toi, fais du bruit aussi. Tu les réveilles, c'est terminé. Je sais même pas ce qui les a réveillés, c'est con. Ah lui là, c'est lui là qui nous fait chier. C'est lui qui aime du voir parce que lui il est pas aveugle. Plutôt essayer de passer par là. Oui, bah oui, forcément, faut qu'il arrive. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est pas possible. J'ai pas bougé. C'est fake. Je n'ai pas bougé. Ah.
Oui, en fait, on fait juste le tour, donc voilà. Est-ce que ça a un réel intérêt? J'ai un doute. Bon. Nous allons étudier une autre stratégie. Une, faut que je me le fasse. Allez, bouge avant qu'il te trouve. Voilà, on l'a un. Allez, toi, je vais... Pas mal. Il y en a là-bas, il y en a là-bas. Il est où, il est où, il est où? Il est là-bas. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que je me fasse. Alors, je crois qu'il reste plus que lui là-bas. Je me trompe pas. Oui, hein, c'est quand même oppressant. Hop. Allez, fais dodo. Alors normalement on les a tous fumés, il reste l'autre qui est de l'autre côté. Juste là derrière, voilà. On va y aller doucement et on va le choper pour prendre ce qu'il y avait comme réserve aux munitions. Et ça fait déjà 45 minutes qu'on joue. Bon, j'ai un peu merdé hein, sur cette partie-là. Je vous le cache pas. Mais il me semble qu'il n'y a plus rien. Hop. Il en reste Non, non. Non. Tu sais quoi? On est impressionnante. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Allez. On va au prochain poste de guet. Alors, ce qui est pas autre chose. On l'a bien mérité. D'accord. Tu vois une sortie? Là quelque part. Ah, ici peut-être. Ouais. Ça bouge bah pas. Non. Voilà. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Il y a un câble.
Tiens, elle est balèze. Ça devrait tenir. D'accord, donc ça c'est nouveau. Allez, vas-y. Mais grave. Ok. Ok, c'est bon. J'y vais. Et puis, tu vas faire quoi? Tu vas aller m'ouvrir de l'autre côté ou je te suis? Je ne sais pas. Ouais, je vais la suivre. Putain, il y a du vent, hein. Par ici. Oh, tout seul vent, à mon avis, avec la nouvelle DualSense sur PS5, on devrait le ressentir. Hop. La tempête approche là. Ouais, faut la rentrer là. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Ouais, elle s'éloigne. Dina, je vois même plus ses traces. Dina, t'es où? Ellie. Oh, super. Allez, c'est par là. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Quand même mieux. Je m'occupe de la porte. T'es déjà venu? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Pas de munitions, rien. Alors avant d'ouvrir, je vais quand même en être sûr. Tu m'étonnes avec des bouquins. Ou... Ah, ici peut-être. On dirait que ça fait un bail que personne n'est venu ici. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Merde. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Décidément. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Fenêtre, ça se verrouille pas. Ah, ok.
Mais ça, je crois pas qu'on pouvait le faire dans le précédent. Je sais plus. Ok, ça marche. C'est quoi tout ça? Tous ces trucs électroniques, c'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Eugène. Référence aussi à Walking Dead. Désolé. Hein. Il y a tellement de... Il y a le clin d'œil parce que ça n'a pas de référence, mais voilà. Ouais, c'est bien la planque de Gênes. Il faisait partie des Lucioles. Lucioles, ouais. Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça ? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Carte à collectionner. On prend tout. Je me suis dit, c'est qui ça? Elle cherche quoi? Quand on arrive de l'autre côté où il y avait le pseudo squatter. Oh putain! C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. Radiateur. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. J'ai trouvé le générateur. Comme dans l'autre. Hop, il va falloir démarrer. On peut améliorer son équipement. Alors je pense que je vais plus celui-là. Comment on va faire? Examiner, améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors la cadence de tir, la stabilité, le recul ou la capacité? Je pense que c'est la capacité que je vais améliorer. Ouais. Hop, voilà. Je pourrais emporter plus de munitions. Ouais, ça va le faire. Alors maintenant, donc on ressort. Je pose. Coucou toi.
Regarde par terre. Je sens mal là. Il y a d'autres trucs en bas. Ouais, il y a la lumière. Descendre. Pas ici. Attention. Caché en bas. C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. Putain, ouais. Ça explique pas mal de choses. Maria pèterait un câble si elle voyait cet endroit. Comment il a récupéré tout ça? Ça a dû lui prendre des lustres. Il aurait dû m'en parler. J'aurais pu l'aider. Dina, c'est un bang masque à gaz. Il était vraiment pas con. Carrément. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Ah, et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi? Je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question ? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais.
C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Oh putain, elle va mettre le feu au truc. Elle a balancé le joint. Raté, je vais remettre interdit au moins 18 ans sur YouTube. Voilà notre ami. Et bien les amis, on va se laisser là. Donc ce sera de la deuxième partie de gameplay pour The Last of Us Part 2. Et puis on se dit pour la suite de l'aventure à une prochaine. Salut !